Yo les gens, ici Rafi Station 1650, on se retrouve pour une vidéo sur F1 2019. On se retrouve comme promis pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Donc c'est parti, donc petit rappel, je pars en 13e position, on va voir ce que je peux faire, si vraiment on peut remonter tout ça et pourquoi pas viser le podium. Mais ça franchement, j'en suis pas sûr, que c'est un circuit qui est assez difficile. Mais je pense qu'il faut juste bien gérer notre aero stand et pourquoi pas regagner des places quoi. On va bien voir comment ça se passe quoi. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lance Stroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Alors j'aimerais avoir votre avis sur Lando Norris. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur. Et du coup, il s'élance en fond gris. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position, suivi de Devon Butler. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Bottas, Sebastian Vettel et Verstappen, Weber, Sainz, Perez et Daniel Ricciardo, Grosjean et une Renault, Alexander Albon et Raikkonen. Ah, je suis 12e, je suis pas 13e. Daniel Kvyat et Lando Norris. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Russell et Lance Stroll complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. On va bien voir. Fais attention sur la portion qui mène au virage 1. Il reste propre. On veut finir la course en bon état. Bonne chance. Donc ça, ce que je vais faire, je vais passer le tour de formation et je vous dis à tout de suite. Après le tour de formation, donc là, c'est parti pour le départ. Donc en espérant faire un grand départ. Un bon départ pour cette course, parce que là... Je suis pas trop sûr de mon coup, on va dire, pour ce Grand Prix. Bah déjà, je suis déjà des places dès le départ, là. Oh là là. Il n'y a pas de toucher, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Oh putain, comment ça freine. Ah, mais là, ils sont dangereux de freiner comme ça. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Ouais, ils sont dangereux les mecs. Quand vous voulez faire une course normale sans pas d'accident, les mecs ils freinent comme des brutes quoi. C'est impossible. Du coup je suis 9e là. On va se doubler après là. Ouais mais les mecs ils se laissent. En plus il a coupé hein. il a coupé la trajectoire le mec. Ouh ça passe. Bon bah je l'ai gêné un petit peu mais tant pis hein. J'ai pas eu le choix. Tant que c'est des pour l'instant, tant que c'est des avertissements, c'est pas méchant quoi. On va dire que c'est rien quoi. Du moment qu'il me dit d'aller au stand, moi je rentre au stand pour pas me faire avoir quoi. Là, pour l'instant on est 8e. Bien joué, tu démarres fort. Ouais, tu démarres fort, j'ai foncé dans le gars alors. Ça dans ma bagnole a pas trop de prix de dégâts. Dégâts voiture. Ok, d'accord. Jusqu'à ce qu'on répare, il ne faut pas que ça empire. Plusieurs des pneus ne présentent aucun problème pour l'instant. Tu devrais pouvoir bénéficier d'une bonne adhérence encore un moment. On va essayer de les rattraper un petit peu là. On va se mettre en riche. Pour gagner un petit peu de temps là.
Donc j'ai mon coéquipier qui est derrière, donc ça va, c'est bien. Pour l'instant, c'est un bon départ de Grand Prix, donc je pensais pas que ça se passerait comme ça. Donc faut que je surveille ma jauge de carburant parce que je veux pas trop bouffer de carburant. C'est juste pour les remonter un petit peu pour l'instant. Et après, on se remettra en standard. Là, j'ai raté. Oh non. Va subir une perte de puissance. Encore, t'as dit ça la dernière fois et c'est même... ça s'est pas passé, donc on va devenir de la merde aussi. Waouh, Camos. Il y a 13 tours, ça, il n'y a pas grand chose au niveau tour. On n'a pas grand tour à faire. Bah oui. Putain, mais tu me fais peur à dire ça là. Tu te remets en standard peut-être. C'est pas évident, je trouve, de toucher aux touches quand vous voulez modifier un truc sur votre moteur. C'est pas évident quand vous jouez, je pense. Je passe pense, je trouve quoi. C'est pas évident, je trouve. Franchement. Et là, il n'y a pas DRS pour l'instant. Ok, on est dans le troisième tour. Tu peux maintenant utiliser le DRS. Ouah, faut que je me calme, moi, dans mes tournants. On commence à la remonter là. C'est bien ça, faut que je continue cette opération là. Mais là, je peux pas rouler en riche tout le temps, c'est ça qui est chiant quoi. Après, il me semblait qu'il y avait ultra riche aussi, non? Ah non, il n'y a pas ultra riche. Il me semblait qu'il y avait ultra riche aussi. Faut que je remonte un petit peu, comme diraient certains, le petit train. Celui-là, c'est un petit train, tout le monde se suit. On va essayer de refaire une remontée là. Ils accélèrent quand même, les mecs qui roulent. Hein. Ça roule devant. Ouh là là. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Ouais, je sais pas, c'est quoi la stratégie? Changer, je sais pas moi. Tant pis. Hein. Et c'est ça quand on perd du temps quand on parle avec les équipes à chaque fois. C'est une perte de temps, je trouve, à chaque fois. Ah, on rentre au stand alors. Tant pis, on rentre au stand, tant pis. En plus, ils vont changer mon aileron, je vais perdre du temps, moi. Allez, les mecs! C'est fait, fonce! Maintenant, faut que je rattrape tout le monde, quoi. Je vais être tout seul sur la piste, je vais être bien, je crois. Je suis 20ème. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses coms jusqu'au bout. Ok. Ah, ils ont changé de pneu du coup. On est passé sur du jaune. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Putain de merde. Heureusement que j'anticipe quand même de freiner parce que la marque rouge, des fois, j'y crois pas trop. J'y fais pas trop. C'est pas que j'y fais pas trop confiance, mais voilà quoi. Ça va, ils sont pas très loin. Voilà, dernier arrêt, donc on a intérêt de faire attention. Il nous reste à peu près 11 tours à faire. Même pas 11. Même pas? Je sais pas combien de temps il va. Ouais, non, 9 tours.
Mais je me dis, ils vont pas tarder à aller au stand là les autres. Putain, ils sont là loin les autres. Ils sont là-bas. Dans... Wow, ils sont super loin. Wow, je vais avoir du mal à les rattraper. Hein. Les autres sont dans la grande ligne droite. Ouais, ça va être chaud, hein, franchement. Faut que je limite la caisse, faut que j'aille au moins dans les points. Je sais pas c'est combien les points, je crois que c'est 10e pour être dans les points, je crois. Attention, il n'y a personne qui s'est arrêté au stand. Hein. Ils sont super loin les mecs. Wow. Notre retard sur la voiture de devant est de 6,7 secondes. Ah putain, comment je suis en retard. Là, je peux pas me mettre en riche parce que... Je peux pas, là. Je peux m'en riche, j'ai pas de carburant pour finir la course, donc ça... C'est ballot. Et le pire, c'est que les autres, ils vont me gêner devant parce que... Bah, je suis dernier, mais je vais avoir du mal à doubler. Hein. C'est chier, ça. Là, c'est les petites écuries, au fait, qui sont derrière. Donc, ils vont me gêner, ils vont me ralentir. Il faut vraiment que je les double, eux. Faut pas que je perde du temps à rester derrière eux, quoi. Oh, putain. Si touché de ça, il a rien dit. Oui, bah tant pis. Putain, j'ai pas assez de carburant. Je roule trop vite. L'idée, faut qu'ils aillent au stand là. Faut qu'ils me laissent passer là. Il rentre au stand quand demain, non? Pizza s'arrête au stand. Oh, ça passe. Ouais, oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah merde. Il faut que j'attende qu'ils aient au stand. Attends, j'ai pas pour aller doubler. Il y a trop de monde. Et les mecs ils me gênent, c'est ça qui est chiant. Oh putain, excuse-moi. Non, non, je continue comme ça. Si je peux tourner encore... Si ma bagnole peut tenir encore le coup... Oh merde! L'autre il me fonce dedans! Oh non, moi j'abandonne pas. Ouais, c'est mort, je vais finir 20e quoi. La voiture elle tourne plus. Je sais de... Ah, puis j'ai pas pensé à faire un retour en arrière, bah tant pis, hein, trop tard. Je suis 12e, faut pas que j'abandonne, tant pis. Hein. Je reste comme ça. Hein. Ah non! Putain, merde.
combustible que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Vas-y, tais-toi. Tu m'énerves. Ah, mais la bagnole, elle tourne plus. Putain, la bagnole, elle tourne plus. Je suis désolé, les gars, mais là, la bagnole, elle tourne plus. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Ah, puis le moteur, il a un problème moteur, là. Le moteur, elle est jaune. C'est chaud, c'est chaud. Faut pas que j'abandonne. Faut que je finisse la course comme ça, il reste 3 tours. 4 tours à faire là. Oh, la bagnole, elle a trop de dégâts. Tes chronos s'effondrent, il faut que tu rentres au stand pour réparer. Rentre au stand. Rentre. Non ! Changer de stratégie. Arrête-toi ce tour. Tant pis, je continue comme ça. Sinon je vais être 20ème. Ils sont tarés eux. En plus ils ont encore arrêté au stand devant. Je suis tenace moi je te dis. Regardez même dans les tournages je les ai freinés à mort pour pas me prendre le mur. Ah mais jamais pour attraper devant, mais bon tant pis. Hein. Tant pis. Daniel est au stand. Putain je m'en doutais. Va au stand toi. Allez, va au stand. Je suis 8ème. Donc faut que pas que j'abandonne, faut que je continue comme ça. Tant pis, on finit la course comme ça. Hein. On prend le risque. Je rentre pas au stand, je rentre comme ça. Si on peut finir 8ème, ce serait bien. On finira pas dans les premiers, mais au moins 8ème quoi. Suffit juste de bien freiner dans les tournants et puis hop, ça le fait. Hein. Bien freiné, j'ai dit. Ouf, ça va. Y'a pas de grosse touchette. Rentre. On est en train de changer de stratégie. Arrête-toi. J'ai dit non. Tais-toi un peu. Ta gueule, Jeff. C'est Daniel devant. L'écart avec le pilote de devant est de 1,3 secondes. Non, mais là, ils vont m'attraper. Les derrière vont m'attraper de toute façon. Pas pouvoir les leur résister. Ouais, c'est ça le truc. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Oh là là, c'est chaud, hein. c'est vraiment dur, mais je vais pas lâcher ma 8ème place. Hein. Parce que là, si je rentre au stand, bah je finis 20ème. Donc non, moi je laisse pas. J'ai pas envie de perdre 2 points. Je suis tenace. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Attendez, j'ai le coup de fil qui sonne là. Putain, il fait quoi lui? Faut que je fasse quoi là? Mais non. Mais faut que je fasse quoi là du coup là? Voulez-vous vraiment quitter la mode photo? Oui. Ah ouais, c'est ça. Putain, j'ai eu peur. Je sais que c'est un peu con de faire ça, mais bon, tant pis. Hein.
rappelle le truc, j'ai vraiment pas pensé quand j'ai fait mon premier accident. J'aurais dû directement faire flashback quoi. Mais bon, voilà quoi. Comme je vous dis, j'utilise parce que c'est pas une série vraiment qui va me faire des millions de vues. Et c'est un plaisir de jeu pour moi, c'est pas vraiment vous montrer mon pilotage, quoi, que je suis meilleur, tout ça quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise quoi. Mais j'avoue que je perds des places quoi. Là les mecs ils sont en train de me remonter. Soit j'essaie de me mettre en riche un peu. Peut-être se mettre un peu en riche pour gagner un peu de place. De temps, je veux dire. Sur notre poursuivant, mais bon. Les mecs ils vont me rattraper. Ils sont chiants. Ils sont pas chiants les mecs. Quand ils disent un truc, ils veulent pas lâcher de l'affaire. Bah c'est moi qui ai joué au con, j'ai oublié d'utiliser le flashback. Ouah, c'est mort, ils vont m'attraper. Là, c'est Raikkonen derrière. Ah, c'est mort de toute façon. Il reste 3 tours à faire, 4 tours. Là. Ou sinon je rentre mais ça me fait chier quoi. Fait chier. Vas-y je rentre tant pis. Hein. J'abandonne pour ce grand prix là et tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. C'est un peu nul mais bon tant pis, j'ai pas le choix. Hein. Tant pis. J'abandonne. Pas j'abandonne mais voilà quoi. Je vais essayer de remonter après, mais ça m'étonnerait que je remonte. Tant pis. Fonce, fonce. Ah, ils m'ont changé mes pneus en plus. Ouais, il reste 3 tours. Il y a le Russell qui va me dépasser. Là. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Bon, je vais essayer mais de remonter, mais je dis pas que je vais réussir. Hein. Je pensais que de toute façon, je m'en doutais que ce Grand Prix-là serait pas facile parce que c'est la première fois que je le fais. Et je le connais pas du tout. Bah, je le connais un petit peu maintenant. Mais voilà quoi. Et c'est un circuit assez difficile, un peu comme Monaco, très difficile pour doubler. Et après, je peux rattraper les autres aussi. Hein. Et, le petit train est là-bas. À moins que ça s'aggrave pas, quoi. Que je refasse pas encore un accident, que ce sera un peu con, quoi. Je vais essayer de remonter un petit peu ce que je peux. Hein. Vraiment ce que je peux. Hein. Si j'arrive à être 13-14ème, ce serait bien quoi. Mais bon, j'aurais pas de points quoi. Au pire, la course est perdue quoi. Pilote devant. Norris devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,5 secondes. Oh putain, le temps. Ils ont de nouvelles gommes médium. Ils chaussent des gommes usées depuis 2 tours. Le dernier tour a donné 1,56. Voici l'écart avec notre coéquipier 27,1 secondes. Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,2 secondes. 27 secondes de retard avec Ricardo. Ah mais là c'est vraiment horrible quoi. En jouant à leur course. Ah ouais, j'ai gagné une place du coup. Drapeau jaune. Attention, attention, drapeau jaune un peu plus loin. Pas de dépassement dans la zone de danger. Sois prudente jusqu'à ce que tu vois les drapeaux verts. Pourquoi il dit à chaque fois sois prudente? Je suis un homme, hein. Anormal. Il est débile le mec à chaque fois.
On essaiera de se rattraper pour le prochain Grand Prix, les gars. De toute façon, la saison n'est pas encore finie. Hein. Je vais dégringoler dans le classement, c'est sûr. J'étais deuxième de championnat, mais là, Renault était troisième. Donc là, c'est une mauvaise opération pour nous. Et là, j'essaie de les rattraper, mais ah, ils sont là-bas. Sinon, le circuit, il est sympa, hein. Mais voilà, quoi, j'ai pas eu de chance, on va dire. Je pense que j'aurai pas le temps de les rattraper, il reste 2 tours à faire. Hein. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Hein? Non, c'est ça, c'est normal. Allez, fort ordinaire. Pilote devant. Norris est juste devant. Essaie de le dépasser. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,7 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Ils chaussent des gommes usées depuis 4 tours. Dernier tour a donné 1 minute 56,2. Allez, fonce, mec. Pour risquer d'accident. Hein. Ce serait un peu débile quoi. D'avoir un accident au dernier tour. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? On l'est pas passé, on l'a passé. Un peu brut, mais on l'a passé quand même. On sauve un peu l'honneur quand même. On est 15e, ça va. Pas 15e. J'aurais pu faire mieux quoi. Bon. Ah, il me touche lui. 14e. J'ai pas de pénalité, ça va. C'est Charles Leclerc qui a gagné, nickel. Tant pis, je m'en fous. Allez, ça passe. Dégage. Dégage. Ah, ça passe pas. Allez. Ah, merde. Désolé, on gagne pas. C'est clair. 14e.
14e, j'ai perdu 2 places, je crois. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi, Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies, si on ne réussit pas à suivre le rythme, le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Et voici les vainqueurs du jour, une course palpitante et un exploit fort. Hamilton est arrivé combien du coup ? Ah ouais, mais tu m'étonnes. Et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Donc voilà. Donc classement pilote, je suis combien du coup ? Classement des pilotes. Charles Leclerc, actuellement en tête du classement, conforte un peu plus sa position avec classement. Ce résultat. Alors Nicolas Martin, c'est troisième encore. Le pilote du jour. Ça va ? A vraiment été impressionnant aujourd'hui. Son équipe. Je suis encore troisième et on est encore troisième. Ah, j'étais deuxième. Et là, je suis passé troisième, ça va, c'est pas méchant. Franchement, il y a pire. Il y a pire, franchement. Il y a très pire, franchement. Je pensais vraiment que c'était plus catastrophique que ça, mais non. J'ai perdu une place et Constructeur n'est quand même troisième parce que Ricardo a fait une bonne course. On se rattrapera pour le prochain Grand Prix, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper. Bon, du coup, je suis combien, moi ? Objectif classement, non. Podium. Oh, aucune pénalité. Oh là là. Oh là là. Ah, j'ai eu le meilleur tour quand même. Nickel. Nickel, nickel. Ouah, 600 points. Quatrième ou mieux. Pouf. Hein ? Nice, quatrième ou mieux. Ok, d'accord. En train de dégringoler là. On espère que tu feras une meilleure course la prochaine fois. Ah bah oui, j'espère. Ça, je suis déçu. Hein. Je suis vraiment déçu de chez déçu, quoi. Franchement, je suis écœuré, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Renégocier votre contrat. Ah. Vos conditions actuelles sont affichées ici. Lors des négociations, l'équipe vous fait une offre. Vous êtes libre de l'accepter, mais n'oubliez pas que votre but est d'obtenir de meilleures conditions. Premier ordre, équipe, premier pilote. Donc finir dans le 8e, on va dire. Position visée lors de la qualification. On va mettre 5e. Position à viser durant la course. On va mettre 8e. Ok, ok, ok. Bonus. Alors, niveau 1, les points de ressources augmentent de 25%. Ok. RD, je vais mettre 25% partout. Voir si ça passe. Proposer, négocier. Proposer contrat. Cette offre m'a l'air tout à fait convenable. Puisque les deux parties sont satisfaites, le contrat prend effet dès le prochain week-end de course. J'aurais pu monter encore plus. J'aurais pu avoir encore plus de valeur. Bon, c'est pas grave, on fera pour la prochaine négociation, c'est pas grave. Tant pis. Week-end prochain, ok, Bakou, ok, attendez. J'ai eu des messages, amendement. Ok, ouais, ouais. On sent l'équipe extrêmement déçue. Oui, bah, et pas de partout. Hein. Ok, week-end suivant, du coup. Espagne, ah. Là, un bon Grand Prix. Là, je peux me remonter, là. Là, je peux faire une bonne course. C'est un Grand Prix que j'adore, l'Espagne. Donc moi, je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis prochaine bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.